Bonjour à tous, c'est moi, c'est Soukar, et nous sommes de retour pour un troisième let's play de BioShock Infinite. Donc on s'est arrêté la dernière fois juste au chargement derrière le boss, enfin le pseudo-boss qui nous donnait le pouvoir de flamme, hein. Enfin des bombes enflammées, des grenades enflammées. Donc juste après le boss, juste 2-3 mobs et ensuite un chargement. Donc on s'était arrêté là. Et donc nous allons bien voir ce que nous réserve la suite. J'ai presque plus de cristaux. Bon d'accord. Une mission de mitrailleuse? Mais j'ai pas de mitrailleuse moi. Bon, bien une mitrailleuse. Des sous! Des sous, des sous, des sous, des sous, toujours des sous. Des cristaux! Une flasque d'alcool. Ah oui, on voit tout flou. On peut se bourrer la gueule, c'est magnifique. Des cristaux, du soda. Voilà, j'aurai assez de cristaux maintenant. Je pourrais te faire le touriste. Santé, je suis max. Soda. Suivez. Nous étions déjà là. Et vous, pourquoi me suivez-vous? Je... Un apéritif? Ah mais c'est les deux PMU de la barge. C'est très pratique en cas de problème. Ceci pourrait bien vous sauver la vie. Bouclier. Ajoute un champ magnétique à répulsion pour améliorer votre défense. Eh ben ça va être pratique ça. C'était quoi ça? Merci. Non, que ça fonctionne. Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Déjà, ça ne te tue pas. C'est très vrai. Sympa, on peut tout piller. C'est une mesure, on passe derrière le bas, on pille tout ce qu'il y a. Merci, hein. Ah, c'est ça, W. Invoque ce fan. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi. Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui dis, mon père, vos ouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu... 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Eh ben... Tankou est dans nos rues. Alors qu'aujourd'hui même, nous célébrons l'anniversaire de notre sécession d'avec la Sodome inférieure. Ce truc doit être aimanté. La classe. Une mitrailleuse, hein. Bah voilà. J'avais des munitions, je pouvais récupérer des munitions avant de récupérer la mitrailleuse. Ça c'est spécial, hein. Pas évident, elle a du recul quand même cette arme, hein. Mais y a pas... Ah!
Là, j'ai utilisé pratiquement tous mes cristaux là-dessus, quoi. Il n'y avait pas des cristaux là? Ah mais je les ai déjà récupérés. C'est ça que vous vouliez? Ah, tout fouillé, qu'est-ce que ça fait du bien, des stunes, de la santé, de tout. Mais on entend des gamins. Enfin, des débiles en train de se plaindre. Je vais vous tuer de mes mains. Eh ben, essaye toujours, hein. T'as du mal, hein. Aucune idée. Non, reste un de PU, là. Ah, il a les yeux qui brillent, quoi, mais c'est... Es-tu humaine? Préparez-vous! Ah, ça y est, j'ai pratiquement plus de munitions. Dégage, toi, je t'ai pas demandé ton avis. Rendez-vous. Je dois recharger. Putain, mais le recul de cette arme est juste immonde, quoi. Je veux voir votre... Tellement joli ce jeu, sérieusement. Et tellement lumineux. Non, je sentais Christomax. Bon, bah on va rentrer. La violence est inutile. J'ai beau soutenir sa cause et son peuple. Je ne veux pas voir le sang couler. Tu voudrais qu'ils fassent quoi, ces pauvres noirs? Vu comment on les traite. C'est lui, le type qu'ils poursuivent. Filez! Ils vous cherchent partout! Police! Nous avons besoin de votre aide! Ils sont là! Chut! Ne parle pas si fort! Allez, on continue! Une réunion des amis des Noirs de Combien, intitulée du sang moderne, nous ne serons pas égaux tant que les Noirs ne le seront pas.
D'accord. En fait, il y a un côté raciste. Eh, hey, salut toi. C'est mignon. Entrez, entrez. Oh. En fait, j'ai plus de vie. Et comme je disais, j'avais plus de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu what the fuck est, hein. Nager dans les fleurs. Mais d'accord, c'est encore un fan de grenade. Hein. Une grenade enflammée. Votre canard. Mais j'ai plus de munitions. Dégage, il va pas exploser ma gueule. Voilà, bien. Putain, mais super résistant ce mob. Un distributeur là-bas, on va voir ce qu'il peut nous donner. Il donne rien d'intéressant. Les cristaux, les sous-sous, on trompe tout. Que ça fait encore. Comstock est arrivé au wagon à l'aube. Il était fasciné par ma collection de scalps. Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué, vous voyez, chef, si votre proie s'aventure dans la jungle et fraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié? Ça l'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte empaillée. Bon, bah c'est parti pour la suite, hein. De regarder le temps. Putain, moi je voulais juste boire un coup et tout là. Et... Et
lorsque l'ange Columbia a donné aux fondateurs les outils pour bâtir leur nouvel Éden, ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. Ça fait quand même beaucoup de corbeaux à l'intérieur d'une maison, hein. Ah mais ils sont nombreux ces abrutis. Ouh, t'essaies de me tirer dessus toi, hein? 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 Ah mais... Ça c'est fait! J'ai complètement fail, hein. Ça a été un beau petit carnage tout ça. Fusion de santé, bouclier, cristaux. Bouclier, tiens. Je me sens déjà mieux. Le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien. Objectif, on va prendre l'objectif secondaire. Tiens, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Finkton, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Bon ben, on va s'arrêter ici pour cette petite partie. Je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, évidemment, sans aucun doute, vous allez le faire parce que vous êtes sympa. Je compte faire, bien sûr, tous les jours, je vais poster une vidéo de Bioshock, d'un let's play de Bioshock Infinite. De temps à autre, je posterai d'autres vidéos de let's play, des vidéos de commentaires, selon ce que j'ai sous la main, évidemment, hein. Et donc, je vous souhaite une très bonne